bien longtemps, en plein mois d'hiver, lorsque les oiseaux n'avaient pas encore leurs jolies couleurs, les mésanges cherchaient des solutions pour pouvoir avoir à manger. On raconte que, très futées qu'elles étaient, elles décidèrent d'observer ces êtres étranges que l'on appelle les humains. Une première mésange vit un étrange monsieur avec une grande casquette bleue, et une autre mésange un monsieur avec un grand bonnet noir. Pour essayer de trouver à manger, elles ont eu une idée. Elles vont essayer de les imiter. On raconte que la première mésange essaya de trouver des couleurs dans la nature et transforma sa tête tout en bleu, alors que l'autre, pour imiter le monsieur avec le bonnet, se coloria tout le haut de la tête en noir. Et depuis ce jour-là, à force d'imiter les êtres humains, on raconte que les hommes décidèrent de donner à manger aux oiseaux en hiver. Regardez! Vous l'avez reconnu? C'est la mésange bleue. À vous de jouer et rendez-vous dans la nature pour d'autres découvertes.